je suis bien dans une tente à Mandou. Ram ram. Ram ram. Putting the band back together. Again. No way. We're on a mission from God. Namaskar, les amis, petite nuit en tente, j'ai très bien dormi, réveil à 6h30 ce matin, bon avec les aboiements des chiens. Petit déjeuner, je prends un poha et un petit chai à côté, et ce matin je vais aller visiter la mosquée qui se trouve juste dans le bazar. La visite ce matin à l'enclave royale. Il y a trois grands groupes. Donc le premier groupe, c'est l'enclave royale où je suis là maintenant. Il y a un grand palais, il y a une mosquée, il y a des tombeaux, il y a un hammam. Voilà, s'il n'y a personne, je suis quasiment tout seul. Donc voilà, super chouette. Je suis vraiment tranquille ici là. C'est une belle lumière. Il est quoi, il est 8h là. Tout ce qu'on peut voir à Mandou, les palais, les édifices, les mosquées, tout date de l'époque moghole, c'est à peu près 14e, 15e siècle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont d'inspiration architecturale afghane. Et là, c'est vraiment plaisant. Je suis toujours tout seul. Bon, Mandou, c'est pas très très touristique avec les étrangers. Hein. Il y a plus de touristes indiens que d'étrangers. C'est dû un peu, en partie, je pense, à son éloignement. C'est un peu compliqué pour venir ici. Un peu loin de tout. En tout cas, moi, ça me fait bien plaisir. We're on a mission from God. Mandou, ça s'étend sur un grand plateau de 20 km². Vous comprendrez mieux en regardant ces images. Le paysage est vraiment grandiose. J'adore, vraiment j'adore. Particularité à Mandou, c'est qu'il y a des baobabs. C'est l'un des rares endroits en Inde où il y a des baobabs. Et du coup, il y a des fruits dont j'ignore complètement le nom. J'ai demandé aux gens ici, ils m'ont dit qu'ils appelaient ça Himli. Himli, c'est aussi le nom du tamarin. Mais bon, ça c'est pas du tout du tamarin. Ça sonne creux. Il y a peut-être des graines à l'intérieur. Il faut que je me renseigne sur le fruit du baobab. En tout cas, ils m'ont dit qu'ils mangeaient. We're on a mission from God. Thank you.
c'est l'heure du déjeuner. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Un matar panir. Matar, c'est les petits pois. Donc, c'est du panir comme j'ai pris hier soir, avec des petits pois, deux chapatis, et puis des petits légumes là à côté. Il y a des carottes, du radis blanc, des oignons. Puis j'ai une bouteille d'eau qui s'appelle Gouzon. Ok. C'est juste une merveille, c'est délicieux, franchement, il y a du cumin, il y a un peu de cannelle, là, vous voyez, je suis tombé sur des morceaux de cannelle, il y a la cannelle, du cumin, les petits pois, c'est parfait, le panier, il est juste bien comme il faut, la consistance, j'adore. Les petits légumes croquants à côté, c'est juste génial, voilà. Les amis, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous expliquer, bon, je le fais vraiment très rapide, mais le gouvernement indien a décidé de démonétiser, c'est au début du mois de novembre, les billets de 500 et de 1000 roupies, donc c'est un gros merdier pour retirer de l'argent. J'ai oublié de vous l'expliquer, j'aurais dû vous le dire dès le premier jour. Du coup, on est limité à 2000 roupies de retrait par jour, donc c'est un peu limite, 2000 roupies, ça fait 24 euros à peu près. J'ai réussi à me débrouiller quand même à Bombay, ça n'a pas l'air d'être un si gros problème que ça à Bombay. J'ai réussi à retirer 10 000 roupies en deux jours, donc ça va. 10 000 roupies, ça me fait à peu près 140 euros, je crois. J'ai à peu près tous les billets, je viens de payer ma facture, enfin de resto. Et du coup, je voulais vous montrer à peu près tous les billets qui existent. Il y a les billets de 2000, donc qui sont tout nouveaux, qui viennent juste de sortir, ça n'existait pas avant. Les plus gros, c'était 1000, et en dessous, c'était 500, mais ils viennent de les retirer de la circulation. Du coup, ça, c'est le nouveau billet de 2000. Le nouveau billet de 500 aussi, qui vient juste de sortir. Les billets de 100, qui existent depuis un petit moment. Les billets de 50. Les billets de 20. Les billets de 10. Et les billets de 5, donc celui-ci est un petit peu abîmé. Et ensuite, il y a des pièces de 2 et de 1 roupie. Putting the band back together. Together. No way. We're on a mission from God. Aujourd'hui au pavillon Rupmati. J'espère que la balade vous aura plu. C'est vraiment magnifique ici. Les paysages sont grandioses. Il y a un beau langour qui fait les poubelles. Voilà, les paysages sont vraiment superbes. Finalement, je devais m'arrêter après le pavillon de Rupmati. Et en fait, j'ai trouvé un autre petit pavillon sur la route. Alors, c'est pas un pavillon, c'est plutôt un palais, voire je pense même une mosquée. Avec la lumière de fin d'après-midi, c'est vraiment magique là. En plus, super calme. Bye bye. Bon les amis, je viens juste de prendre ma douche. Voilà la salle de bain. J'avais oublié de vous montrer hier. Bon, c'est Indian style, on va dire. Et voici ma chambre. Alors attention, ici c'est la vie en bleu, hein. Une chaise, une fenêtre avec des rideaux bleus aussi, ventilateur, le lit, voilà, une petite table pour mettre les affaires. Et je paye à peu près, enfin c'est pas à peu près, je paye 200 roupies la nuit, ça fait à peu près 1,50€, quelque chose comme ça, voilà. Bon les amis, pour ce soir j'ai pris un veg biryani dans un restaurant qui est complètement vide, donc ça m'inspire pas beaucoup en fait. Bon, j'ai pas le choix, tous les autres étaient fermés. Surtout que le veg biryani, normalement, c'est jaune, c'est safrané, enfin avec du safran. Niveau goût, ça ressemble pas à grand chose. Du coup, bah, on verra si je suis malade demain ou pas. Faut savoir prendre des risques hein, de temps en temps. Me voilà de retour dans ma chambre après mon pseudo biryani. C'était vraiment moyen. Et du coup, je m'attaque à un peu de montage. Voilà, c'était une agréable journée.
Je vous dis à demain. Alors demain, le programme, c'est que je passe la matinée ici. Et puis, je pars demain midi, direction Indore, en espérant trouver un bus demain soir, un bus de nuit pour aller à Bundi. Et du coup, on changera de région, on ira dans le Rajasthan. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Et je vous dis à demain. Ciao! Je pars à Indore ce soir. Ils sont tous morts de rire derrière.